Du tout. Elle a l'intelligence, Esther, de dire « J'attends demain. Deuxième séouda demain. » Elle ne dit rien lors de la première séouda. C'est un coup de génie d'Esther. C'est une très grande ruse qu'elle a faite. Entre les deux, il va y avoir l'histoire où le roi va demander à Aman de promener Mordechai dans la rue et d'honorer Mordechai. Et là, Esther, elle a vu un signe d'Hachem et elle a accusé lors de la deuxième séouda Aman. Ça nous apprend que quand tu vois que c'est coincé, essaie de gagner du temps, essaie d'attendre, mais ne baisse pas les bras. Ce qu'elle a fait, Esther, elle a dit, revenez demain, deuxième séouda demain. Je dis rien maintenant. Quand elle a vu un siman d'Hachem, un signe d'Hachem, Aman commença à tomber, elle a compris qu'elle pouvait y aller. Quand tu vois un signe d'Hachem, alors là tu peux y aller à fond, qu'Hachem il va t'aider dans tout.